Gilles Maréchal, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que je vous avais rencontré au mois de février dernier. Vous lanciez l'opération Agri2Main. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors, Agri2Main est une plateforme de communication donc, qui est destinée à communiquer vis-à-vis du grand public. Eh bien, aujourd'hui, Agri2Main est en marche puisque nous avons 200 ambassadeurs qui se sont inscrits dans la démarche. Et l'objectif, c'est justement de proposer à ces ambassadeurs un certain nombre d'événements tout au long de l'année pour qu'ils puissent raconter leur histoire, parler de leur production, parler de leur métier tout au long de l'année. Et le premier événement que nous leur proposons, c'est la fête des moissons. Alors pourquoi la fête des moissons ? Parce qu'il nous semble que c'est un événement important pour l'agriculteur, c'est un moment intense et on veut faire ça à l'image un peu de la fête des voisins, c'est-à-dire que l'agriculteur ouvre ses portes, ouvre son exploitation et invite ses voisins, ses amis, ses fournisseurs, ses clients à parler de son métier et à tout simplement dire l'agriculture est une fête. Bon, alors justement, on va aller à la rencontre d'Aurélie de Benoît. Bonjour Aurélie. Bonjour. Voilà, alors on va aller moissonner. Alors Aurélie, là c'est la moisson, mais juste après, ça va être la fête des moissons et vous l'organisez, vous, dans votre exploitation ? Oui, tout à fait, je l'organise cette année avec Agri2Main pour proposer aux gens qui sont autour de nous de comprendre un petit peu ce qu'on fait toute l'année, en particulier évidemment dans la moisson. Intéressant, c'est que c'est très simple. Comment fait-on ? En fait, effectivement, c'est très simple. Il va y avoir sur le site Agri2Main une carte où seront répertoriées toutes les exploitations qui participent à cette fête des moissons. Et les gens pourront s'inscrire dans la exploitation qui leur plaira ou celle qui est le plus près de chez eux. Ce qui fait qu'en fait, on invite tout le monde, les voisins, les amis, tous ceux qui ont envie de partager un moment autour d'un verre. Alors pourquoi, dites-vous, c'est important que tous les agriculteurs organise cette fête des moissons chez eux ? Parce que toute l'année, on travaille un petit peu chacun dans notre coin, un petit peu renfermé. Et là, la moisson, c'est quand même un moment où on est tous ensemble et où on travaille dans notre environnement, où les gens nous voient avec nos moissonneuses-batteuses, nos tracteurs sur la route. Et en fait, si on les invite à un pot de moisson, c'est quand même le moment où ils peuvent comprendre ce que c'est notre travail, pourquoi on y passe du temps et pourquoi on aime notre métier. Bon, merci beaucoup Aurélie. Merci à vous. Alors je vous le dis, si vous êtes agriculteur, il faut organiser la fête des moissons chez vous. C'est un moment simple, un moment de convivialité, un moment à partager avec tous vos amis et aussi vos voisins. Bonne fête des moissons !